Et d'ailleurs, Loustalot Lacaux, au procès de Pétain, a vu témoigner. J'aime beaucoup, il dit cette phrase simplement. Je suis témoin que cette masse de la Légion était une masse très heureusement française. Voilà. Ensuite, autre action de résistance. Vichy a créé ce qu'on a appelé à l'époque les chantiers de jeunesse. C'était mi-camp de concentration, mi-camp scout, en fait. Hein. Concrètement, on embrigadait les jeunes, on leur instituait l'esprit de revanche, on en profitait pour camoufler du matériel, et un très grand nombre de jeunes passaient dans les chantiers de jeunesse. Et c'était pas l'alter ego des jeunesses hitlériennes après. Non, rien à voir. C'était pas rien à voir parce que les jeunesses hitlériennes. C'est présenté comme ça aussi. Hein. Ah non, mais ça n'a rien à voir. C'était tellement un alter ego des jeunesses hitlériennes que les membres des chantiers de jeunesse, attendez, est-ce que je crois que j'ai les chiffres, ont pour une grande partie d'entre eux rejoint les armées de résistance. Alors attendez un petit instant, faut juste que je retrouve. 38 000 en provenance d'Afrique du Nord, donc en 38 000 jeunes des chantiers de jeunesse ont rejoint l'armée d'Afrique du Nord. Et en 1945, il y aura 100 000 jeunes de la classe 1943 qui vont participer aussi au combat. Donc quand même, bon, voilà. Et d'ailleurs, le général Joseph Laporte Dutheil, qui organisait ces chantiers, a été déporté. Encore un collabo. Encore un collabo déporté. Vraiment, ces collabos, ils n'ont rien compris. Hein. C'est, bon, c'est marrant. Je continue sur la résistance vichyste. Dès l'armistice, même avant l'armistice, le ministre de la Guerre, le général Colson, donne des ordres de camouflage d'armes pour pas que les Allemands mettent la main dessus. Et Weygand d'ailleurs va l'aider à camoufler des armes. Et Vichy va par la suite camoufler non seulement un très grand nombre d'armes, mais au-delà de ça, Vichy va. C'est le général Odilon Picandard qui va faire ça, va créer un nouveau plan de mobilisation de l'armée française, puisque les Allemands nous avaient laissé une armée de 100 000 hommes. Hein. Et donc, le général Picandard va créer un plan de mobilisation pour que, en réalité, on puisse en mobiliser à peu près 400 000. Sachant qu'il va aussi créer un plan d'assistance aux Américains au cas où ils débarqueraient en Provence. Je reviendrai là-dessus. Mais au-delà de ça, donc, Vichy aussi a poussé à nous réarmer. Les Allemands avaient limité nos stocks. Eh bien, Vichy nous a poussé à nous réarmer. Petite déclaration de Picandard au procès Pétain. Dès les mois d'octobre, des officiers du cabinet du maréchal m'ont donné l'assurance que nous avions l'appui moral du maréchal. Cela m'a permis bien souvent pour obtenir des concours dans les autres ministères. Le maréchal m'avait fait appeler pour me demander où en était la question des armements. Naturellement, nous n'avions pas d'artillerie lourde et nous n'avions que quelques chars. Nous avons essayé de faire parvenir aux alliés la liste du matériel qui nous serait nécessaire. En outre, nous avons mis en fabrication des automitrailleuses blindées dans des usines souterraines camouflées dans la Corrèze. Ces usines nous permettaient vers le mois d'octobre 1942 de sortir 220 automitrailleuses blindées. Nous avons entrepris la fabrication de grenades anti-chars d'un modèle tout nouveau, supérieur à tout ce qui était alors en service dans les armées alliées. Vers octobre 1942, nous avions déjà plusieurs milliers de ces grenades. Le maréchal, en janvier 1942, me félicita et me dit de continuer parce que nous n'aurions jamais une armée française trop puissante. Le général Ruby, en septembre 1943, témoigne. Pétain convoque tous les généraux français et leur dit ceci. Messieurs, quand les Américains débarqueront, il faudra les aider par les armes. Oublie de le dire, ça aussi. Pétain aussi, donc, je vous disais, j'avais une affection entre guillemets particulière pour les Alsaciens et les Lorrains. Le résistant Charles Barrès témoigne à son procès et nous dit ceci. Nous sommes persuadés que cet armistice a évité à la France de devenir une deuxième Pologne. Il a évité à la France de devenir un immense camp de concentration et de connaître des déportations en masse. La résistance est une œuvre qui n'a été rendue possible que par cet armistice obtenu par le maréchal. Il est certain par ailleurs que l'armistice a permis à la France de garder intactes ses positions nord-africaines qui, à mon avis, ont été le premier gage conduisant à la victoire finale, à l'écrasement de l'Allemagne. Il est de mon devoir d'affirmer que mes camarades d'Alsace, par mes camarades d'Alsace, le maréchal était toujours et pendant tout le temps que j'étais en liberté en Alsace, parfaitement au courant de la résistance. Il n'a jamais cessé de l'encourager. Il a profité de chaque occasion qu'il a eue pour nous envoyer de bonnes paroles. Bon. Ça aussi, on oublie un peu de le dire. Autre chose, je vous ai évoqué la Légion des combattants français. Pétain envoie le colonel Heurtaud en zone nord pour l'organiser. Les Allemands mettent leur veto, mais Heurtaud est sur place. Que fait-il alors? Eh bien, il va organiser un réseau de résistance, et ce réseau de résistance va être financé indirectement par Pétain, puisque ce réseau de résistance, qui s'appelle le réseau Hector,
est financé par les services de renseignement de l'aviation, qui eux-mêmes sont financés par les fonds secrets que leur donne Pétain. Voilà. Et donc, à partir de ce réseau Hector, va se former un autre un réseau de résistance beaucoup plus grand, qui s'appelle l'Organisation Civile et Militaire, qui sera présente plus tard au CNR. Le colonel Horto a passé 4 ans en camp de concentration aussi. Il s'est fait choper par les Allemands et il a passé 4 ans là-bas. Grand résistant bichiste à nouveau, le colonel Horto. Je parlais des gens qui camouflaient du matériel. Il y a un monsieur dont j'ai oublié de citer le nom, c'est le colonel, ça a fait rigoler, le colonel Mollard. Bon, le colonel Mollard, lui aussi, a fait partie de ceux qui ont permis de cacher du matériel militaire et ça a évité aux Allemands de le prendre, sachant qu'une partie de ce matériel a fini dans la main de la résistance. Hein, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Et là, on va envoyer le lourd de chez lourd, ministre de l'air, le général Bergeret. Rappelez-vous, nos avions ont été démembrés. Eh bien, Bergeret, clandestinement, a fait reconstituer des avions, près de 980 avions. Il a fait une école d'aviation secrète, près de Toulouse. Il a créé un service de renseignement de l'air qui est en relation directe avec l'intelligence service. Et qui lui a donné les fonds pour faire ça? Je vous l'ai évoqué, c'est Pétain, les fonds secrets. Et la moitié de cette aviation combattra dans l'armée d'Afrique du Nord. Je parle de la résistance. Pétain, en septembre 40, si je ne dis pas de bêtises, envoie le général Weygand en Afrique du Nord. Pourquoi il l'envoie-t-il là-bas? Pour reconstituer une armée qui sera prête à reprendre le combat contre l'Axe, et elle le fera comme je m'en expliquerai. Je continue sur la résistance vichyste. Le contre-espionnage avait été interdit par l'armistice. Néanmoins, Vichy va quand même reconstruire des réseaux d'espionnage, de contre-espionnage, offensif et défensif. Il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle le BMA. Le Bureau des Menées Antinationales. Déjà, le nom, je trouve qu'il déchire. Le Bureau des Menées Antinationales, il faudra en créer aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait beaucoup de travail. Donc, c'est le contre-espionnage défensif qui est dirigé par le colonel Alès. Et officiellement, il lutte contre le communisme. En vérité, il a condamné à mort 1300 espions allemands et italiens. Non, c'est ça, ouais. 1300 allemands, espions allemands et italiens. Il en a fusillé un certain nombre d'entre eux, d'autres sont envoyés en prison, d'autres sont envoyés aux travaux forcés. Est-ce qu'on nous le dit souvent, ça, que Pétain a fait fusiller des espions allemands et italiens? Est-ce qu'on n'a pas une image un petit peu différente de lui quand on sait qu'il faisait buter les espions allemands et italiens qu'il attrapait? C'est un peu comme la diplomatie secrète, c'est un peu comme l'armée de Weygand qui part recombattre, c'est un petit peu comme tout ce que je vous dis là, c'est un peu comme le plan de mobilisation du général Picandard. C'est un peu comme tous ces réseaux de résistance qu'il a financés. Jamais on ne le nie. La vérité est malséante sous la Ve République. Ensuite, j'aimerais vous parler du contre-espionnage offensif. Là, il faut être discret. Alors, à Marseille, on a créé ce qui s'appelle l'Entreprise Générale des Travaux Ruraux, SIC. Bon. Donc là aussi, hein, ça siège à Marseille. C'était fait pour éliminer les ennemis, pour financer déjà un pour armer la résistance et pour éliminer les ennemis. Exemple, un paysan italien. Le paysan menace de révéler l'emplacement de matériel camouflé à des Allemands. Et je crois que c'est le commandant Payol qui donne l'ordre aux membres de l'entreprise générale des travaux publics de tuer cet Italien. On a retrouvé que sa tête apparemment. Donc voilà. Donc voilà, tous ces réseaux de résistance finissaient par Vichy. Et j'en arrive au plus lourd de chez lourd. L'organisation de la résistance armée. On connaît les fameux FFI. Ah, bah oui. Les FFI, de qui étaient-ils composés? De 3 groupes. Les communistes, FTP. Bon, je vais revenir sur la résistance coco. L'armée secrète. L'armée secrète qui était composée du mouvement combat tenu par Henri Freinet, du mouvement des francs-tireurs qui n'a rien à voir avec le coco, qui était dirigé par Pierre Lévy, et de Libération Sud qui était tenu par Emmanuel Dacier de la Vigerie. Et un troisième groupe qui s'appelle l'Organisation de la Résistance Armée. Qui sont ces gens de l'Organisation de la Résistance Armée? C'est l'armée de Vichy, c'est la résistance issue de l'armée de Vichy. Et ces gens-là sont la résistance qui a joué un rôle le plus important d'un point de vue militaire. 1500 d'entre eux ont rejoint l'armée de Weygand pour combattre les Boches. 4000 d'entre eux ont rejoint les Maquis pour aider les Maquis à lutter contre les Allemands. Voici ce que nous disait Kenneth Pindard dans le dilemme franco-français. Alors, Kenneth Pindard, livre capital. C'est le vice-consul américain au Maroc pendant la guerre. Kenneth Pindard, le dilemme France-États-Unis. Voici ce qu'il nous dit au sujet de l'organisation de la résistance armée. Tandis que les Britanniques poursuivaient cette politique violemment anti-vichysoise, ils nouaient et renforçaient des relations avec l'organisation secrète de l'armée française. J'ai été surpris de découvrir en Afrique du Nord et à Londres quelque chose qui n'a jamais été clairement expliqué.
le fait que cette organisation clandestine militaire n'avait aucun rapport avec De Gaulle. Elle fut formée par l'armée française et commença avant même le jour de l'armistice. L'armée sut conserver son propre QG secret, sa propre organisation et ses propres voies de communication avec les Britanniques. Ce n'est qu'en 1943, quand les Britanniques décidèrent de faire passer par De Gaulle toutes leurs relations avec la France, qu'il y eut quelques contacts officiels entre ces mouvements de résistance et De Gaulle. Pourquoi De Gaulle ? La résistance est ralliée à De Gaulle en 1943 parce que les Anglais qui l'a ramené disaient « Soit vous vous ralliez à De Gaulle, soit vous n'avez pas d'armes. » Oui, c'est ça. C'est pour passer pour avoir des armes, faut être... Mais De Gaulle n'a fomenté aucun mouvement de résistance. Et je précise en parlant de l'ORA, j'aime beaucoup ces gens-là, qui sont des grands Français. Le premier patron, le premier chef de l'ORA, le général Oberfrère, je ne sais pas si on pourra mettre sa photo, Oberfrère. Le général Oberfrère va se faire rattraper par les Allemands. Et contrairement à beaucoup de gaullistes, il est mort avec nuit et brouillard marqué dans le dos, au camp de Struthorf, je crois que ça s'appelle. Le deuxième chef de l'organisation de la résistance armée, lui aussi est mort avec nuit et brouillard marqué dans le dos, c'est le général Vernot. C'est marrant tous ces collabos qui s'amusent à mourir dans des camps de concentration quand même. Hein. Et je précise que le général Oberfrère, qui est mort au camp de Struthorf, faisait partie du tribunal militaire qui a condamné à mort De Gaulle par contumace. Passons. Si vous voulez savoir ce que c'est une gueule de français, regardez la tête du général Oberfrère. Là, vous comprendrez. Voilà. Donc voilà pour l'organisation de la résistance armée. Donc, on voit bien toutes les activités de résistance de Vichy. Le bureau des manières antinationales, le contre-espionnage défensif, le réseau acteurs financé, le réseau martial financé, le réseau navarre financé, l'organisation de la résistance armée, un plan de mobilisation clandestine, un réarmement clandestin, une aviation qu'on remet en marche. On se fout de notre gueule quand on nous parle de Vichy Collabo. On se fout de notre gueule. Enfin, de Pétain et Laval Collabo. Enfin, Laval, c'est autre chose, mais Pétain Collabo, on se fout de nous. C'est un mensonge absolu. Vous savez, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais au moins qu'on donne la parole à la défense et qu'on lui laisse s'exprimer. Moi, j'aimerais savoir quels sont les états d'âme, enfin, les, comment dire, quels sont les faits d'armes de mes contradicteurs. Qu'est-ce qu'ils ont à m'opposer? Qu'est-ce qu'ils ont aussi à opposer à tous ces faits-là? Ça serait quand même intéressant de le savoir. Je n'arrive à la résistance communiste. Pas très spontanée, hein. Pas très spontanée, la résistance communiste. Elle commence après l'invasion de la Russie. Sachant que l'objectif des cocos, c'était pas de faire la guerre aux Allemands. C'était de faire une révolution sociale en France. C'est de détruire l'ordre légal en France. Et d'ailleurs, la résistance des communistes, d'un point de vue militaire, n'a servi à quasiment rien. Absolument rien. Bah, quand je les écoute, ils me disent tout le temps que c'est eux qui étaient le fer de lance. Mensonge absolu. Les fers de lance, c'est l'organisation de la résistance armée. D'ailleurs, j'ai une petite citation là. Attendez, où est-ce qu'il est, le bouquin? Je vous le citerai après. Oui. Je termine sur les cocos avant. Quand, par exemple, les Allemands assassinaient... Les Allemands, que dis-je? Les communistes. Lapsus révélateur. quand les communistes assassinaient un officier allemand en plein Paris, derrière, il y a 50 otages qui se faisaient tuer. Ça ne servait absolument à rien d'un point de vue militaire. Et De Gaulle lui-même a condamné les attentats. Et je précise que beaucoup de gens qui à l'époque se sont accaparés l'étiquette de résistants, en réalité, n'étaient pas des résistants et qu'ils étaient volontaires criminels de droit commun. J'aimerais faire une petite citation d'un résistant qui s'appelle André Girard. Livre « Peut-on dire la vérité sur la résistance ?» Il faut que je retrouve le truc. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà. On n'a pas assez reconnu que la résistance de caractère militaire dont l'action a été la seule force déterminante aux côtés des alliés durant l'invasion a été l'œuvre d'un état-major de techniciens, formé dès 1940 sans aucun lien avec le général de Gaulle, et ceci parce que nos alliés n'avaient en ce général qu'une confiance limitée. Voilà. Donc, le fer de lance de la résistance militaire, c'était l'organisation de la résistance armée, et c'était un mouvement maréchaliste. Désolé de le dire. Et de Gaulle n'a initié aucun mouvement de résistance, seulement en 1942, il a réussi à se faire rallier à lui dans un premier temps l'armée secrète, et ensuite, en 1943, l'ORA, parce que les mecs avaient besoin d'armes. Mais à la base, De Gaulle n'a initié absolument aucun mouvement de résistance intérieure. J'aimerais aussi vous lire une note faite par le maréchal Pétain à son procès au sujet de la résistance. Oui. Note manuscrite, en 6 points. Premier point, j'ai toujours résisté aux Allemands. C'est la pure vérité. Deuxième point, je ne pouvais être que favorable à la résistance. La résistance est le signe de la vitalité d'un peuple. Troisième point, en tant que chef de l'État, je ne pouvais pas l'approuver publiquement en présence de l'occupant. Ce qui est quand même évident, quoi. Oui. Bon, bref. Quatrième point, j'ai toujours fait une distinction entre les résistants aux Allemands
et ceux qui ont utilisé ce prétexte pour se livrer à des crimes de droit commun. Ce sont ceux-là seuls que j'ai qualifiés de terroristes. Les résistants, les résistants ont eux-mêmes protesté contre les excès de ces derniers. J'ai désapprouvé, comme l'a d'ailleurs fait le général de Gaulle, les attentats individuels contre les membres de l'armée d'occupation. Parce qu'effectivement, ça ne servait à rien à part à susciter des représailles. Bon. Et enfin, il dit, j'arrive pas à lire parce que c'est manuscrit, je n'ai jamais cherché à vaincre la résistance, car j'étais moi-même un résistant, le résistant de France dans la métropole. Donc, voilà la déclaration. Quand on dit que Pétain persécute la résistance, c'est un mensonge absolu. Pétain a suscité des mouvements de résistance, mais par contre, effectivement, quand il y avait des gens qui, au nom de la résistance, en profitaient pour commettre des exactions, eh bien là, ils sanctionnaient. Et je précise un exemple, quand par exemple certains détroussaient des paysans quand on brûlait leur récolte ou quand on détruisait des poteaux électriques, j'aimerais qu'on m'explique le rapport avec l'armée allemande, quoi. Je veux dire, avec le fait de faire dégager les Boches. Ça n'avait aucun rapport. C'est pareil, on a fait dérailler le train Paris-Lyon du 2 novembre 1943, 11 morts, 54 blessés. Pourquoi ? À quoi ça sert concrètement ? Oui, des passagers. À rien. Aussi, au sujet de la résistance vichyste, je précise que 28 préfets de Vichy ont été déportés. 18 sous-préfets et sous-secrétaires de préfecture ont été déportés. Ça aussi, on oublie un tout petit peu de le dire. Eh ben, on va faire une deuxième pause, si la régie, elle est prête, et elle est prête. Et puis, ben, on revient, tu sais, ça passe vite. Mon vieux. Eh ben, ça passe vite, mais vous inquiétez pas, on débordera un peu s'il faut finir, parce qu'on sait que c'est intéressant, parce qu'il y en a qui craignent déjà, qui nous disent, oh, on espère qu'on aura le temps de finir, on aura le temps, vous inquiétez pas. À tout de suite. Voilà, donc de retour, toujours sur la libre antenne avec Adrien Bézi. Donc pour cette... Ouais. Tu m'entends ? Oui, là, voilà, ok. Donc voilà, de retour, donc, comme je disais, avec Adrien Abouzi pour cette contre-histoire de Gaulle. Alors on a appris beaucoup de choses, hein, pour résumer un peu le parcours. Donc de Gaulle, un homme qui vient de Paul Reynaud, donc ancien président du Conseil, qui est un peu un homme un proche de Churchill, on va dire. Hein. Ouais, c'est un minable, hein, surtout Reynaud, c'est minable. Il s'est conduit de façon médiocre au procès Pèze. Voilà, donc il s'enfuit. Alors De Gaulle s'enfuit, le terme va pas plaire. De Gaulle c'est un déserteur. De Gaulle s'en va, donc. Voilà. Le colonel De Gaulle est un déserteur. Donc De Gaulle, en théorie, c'est un déserteur, ouais. Donc il s'en va en Angleterre, il est reçu là-bas. On voit que en fait, en secret, il y a une espèce d'accord en fait pour que Paul Reynaud revienne en fait au pouvoir. Puisqu'il pense que le maréchal Pétain n'acceptera pas les conditions imposées par l'Allemagne. Parce qu'en fait, il sous-estime en fait les conditions que Hitler va imposer à la France. Il pensait que les conditions seraient beaucoup plus dures et que Pétain les refuserait. Et puis donc, Paul Reynaud serait réinvesti en tant que président du Conseil. Il pensait que Pétain démissionnerait et qu'il serait réinvesti ensuite par Albert Lebrun, le président de la République de l'époque. Et Paul Reynaud aurait pu siéger donc à Londres comme tous les gouvernements exilés. En fait. Exactement, sauf que Paul Reynaud a une défaillance et De Gaulle a pris sa place en quelque sorte. Voilà. Sur la résistance à Vichy, j'aimerais faire une petite citation. Alors c'est une citation qui est issue de... Est-ce que je l'ai là ? Non, je ne l'ai pas là. C'est du livre de... Or Vichy Gamble, c'est le titre anglais, c'est Notre jeu à Vichy. Et c'est William Ellinger, qui était un diplomate américain, qui me disait... Pour le département d'État américain, Vichy ce n'était pas seulement un vieillard sans défense et un groupe d'intrigants sans scrupules, c'était aussi un groupe d'amis très nombreux sur qui nous pouvions compter et grâce au concours desquels nous pouvions peut-être apprendre beaucoup plus de choses sur l'ennemi que par tout autre moyen. L'expérience et les relations d'un grand nombre de fonctionnaires du Quai d'Orsay étaient à notre disposition, tandis que les services de renseignement de l'armée française qui avaient été clandestinement réorganisés après la défaite nous étaient ouverts. Il eût été parfaitement ridicule de nous interdire l'accès de cette source importante de renseignements. Tout bien considéré, on ne peut s'empêcher de penser que pour cette raison, à défaut même de tout autre, la politique que nous avons suivie à l'égard du Vichy fut complètement justifiée. Voilà. Donc déjà, même les Américains confirment que Vichy les a aidés en fait. Bien entendu. Voilà. Mais ce qui est ultra évident, et nous allons voir au combien. Puisque maintenant, nous allons évoquer la question, il y a des milliers de choses dont j'aurais aimé vous parler, on ne peut pas parler de tout, il est déjà 23h. Il faut que nous parlions du débarquement américain. Du débarquement américain en Afrique du Nord. L'opération Torche, le 8 novembre 1942. Vous savez, il y a un homme dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est l'amiral Darlan. Oui. L'amiral Darlan, c'est le numéro 2 du régime, c'est ça ? Alors en fait, quand Laval s'est fait éjecter par Pétain, oui. Il a été. Enfin, Pierre-Étienne Flandin l'a remplacé pendant 2 mois. Les Allemands, après, ont fait comprendre à Pétain que Flandin devait partir. Et Pétain a mis Darlan.
Donc, de février 41 jusqu'à avril 42, Darlan est président du Conseil et dauphin de Pétain. Ensuite, sous pression allemande, Pétain va être obligé de rappeler Laval en avril 42. Rappelez-vous, Darlan, le 4 août 1940, Pétain a donné une mission à Darlan, c'est-à-dire que si la France, la zone libre, était envahie par les Allemands, à ce moment-là, il devrait repartir en Afrique et reprendre la guerre contre les Allemands. Il y a un livre définitif sur Darlan, de Pierre Orduny, Le secret de Darlan. Livre absolument génial. Qui nous explique quelle a été la trajectoire de Darlan pendant la guerre. Darlan est celui qui a poussé la collaboration, entre guillemets, le plus loin. Puisqu'il y a eu une révolte des Irakiens en 1941 contre les Anglais. Les Allemands veulent aider les révoltés, et pour ça ils demandent le libre passage de la Syrie. Et Darlan leur accorde de passer en Syrie, si vous voulez. Donc ça a été considéré comme le paroxysme de la collaboration, ce qui, soit dit en passant, avec le recul, n'est quand même pas un truc de fou. Je veux dire, comparé aux collabos qu'on a aujourd'hui, qui vont de la France à l'oligarchie anglo-américaine, on rigole un peu. Mais bon, Darlan est officiellement celui qui a poussé la collaboration le plus loin. Mais arrive l'opération Barbarossa, et la guerre en Russie va faire changer les plans de Darlan. Darlan va commencer à nouer des contacts avec les Américains. Et il y a eu une conférence qui s'appelle Arcadia. Je crois que les dates, c'est fin décembre 41 jusqu'au 14 janvier, je crois, 42, dans laquelle les Alliés vont déterminer leur stratégie de lutte contre l'Allemagne. Eh bien, Darlan a demandé à participer à cette conférence. Ça, c'est le petit scoop qui est révélé notamment dans ce bouquin. Et par la suite, dans l'année 42, Darlan a multiplié les contacts avec les Américains, et notamment à travers son fils, qu'il a envoyé en Algérie pour prendre des contacts avec le consul américain en Algérie qui s'appelait Murphy, pour peut-être préparer un débarquement. Le problème, c'est que le fils de Darlan est tombé malade, et que du coup, ça a arrêté les négociations, sachant que Murphy négociait la préparation du débarquement avec un autre groupe de Français qui s'appelle le groupe des 5, qui, je tiens à le dire, n'avait aucun rapport avec le général de Gaulle, de nouveau. C'est un groupe de résistants complètement indépendant de Londres. Qui est ce groupe des 5? Un, monsieur le maigre du Breuil, industriel assez puissant, assez riche, cagoulard, et, dit-on, membre de la synarchie. Jean Rigaud, qui est son bras droit. Saint-Ardouin, qui est un diplomate. Henri Dacier de la Vigerie, qui est le frère de Emmanuel Dacier de la Vigerie, le chef du mouvement de résistance qui s'appelle Libération Sud. Personnage, on reviendra sur ce Henri Dacier de la Vigerie. Et le cinquième, c'est le colonel von Eck, je crois, qui dirige les fameux chantiers de jeunesse. Les fameux chantiers de jeunesse, donc d'origine vichiste, en Afrique du Nord. Donc ce groupe de 5 va négocier avec Murphy, va préparer avec Murphy, le consul américain, le débarquement. Sachant qu'à la base, l'idée c'est que, officiellement, c'est la France, à travers le groupe des 5 et un général, qui appelle les Américains à l'aide pour lutter contre l'Allemagne. C'est pas les Américains qui nous envahissent ou qui débarquent, c'est nous qui les appelons. Et donc, il leur faut un général à ce groupe des 5. Alors, au début, ils pensent à Weygand. Puisque, rappelle-toi, Pétain a envoyé Weygand en Afrique du Nord, constituer une armée. Le problème, c'est que Weygand va décliner, parce qu'il ne veut pas être dissident à Pétain, et parce que, en fait, Weygand ne s'estime pas digne d'être chef de la France. Pourquoi? Parce que Weygand est né en Belgique, il est né d'adultère, il ne connaît pas ses vrais parents. Et donc, il a été naturalisé français, il était plus ou moins patrie d'avant, il a été naturalisé français pour entrer à Saint-Cyr, et en raison de cela, il ne s'estimait pas digne d'être à la tête de la France. Je trouve que c'est magnifique comme pensée, quand on pense à tous ces minables aujourd'hui qui se présidentent à la République pour travailler à la France, je crois qu'il y a quand même un écart interdimensionnel entre les deux catégories d'individus. Bref. Donc Darlan refuse. Toutefois, il confie à Jean-Raymond Tourneau, résistant, Pétain et la France,
que si il avait été présent en France au moment du débarquement, eh ben il aurait continué la guerre. Bon, ceci étant, Weygand a quand même reconstitué cette fameuse armée d'Afrique du Nord sur demande de Pétain. C'est cette fameuse Afrique, cette par exemple, il est tard, hein. Je suis un peu fatigué. C'est cette fameuse armée d'Afrique, par exemple, qu'on va se combattre dans le navet dans lequel a joué Jamel Debbouze, indigène. Ah oui. On oublie de dire tout le temps quand on parle de l'armée d'Afrique du Nord que c'est Weygand qu'il a reconstitué son ordre de Pétain. Non, ça, c'est, il faut pas le dire, hein, c'est interdit. Bah, ça fait beaucoup de contre-vérités, justement, aujourd'hui. Je pense ah que oui, t'avais oui. raison, c'est historique. Ah non, non, mais c'est que le degré de mensonge, ou d'omission, soyons gentils, est inouï. Et on tombe des nues quand on découvre les choses. Moi-même, je vous avoue, j'ai eu du temps à les intégrer. Moi, je suis resté gaulliste jusqu'en 2012, à peu près. Je connaissais une partie de la vérité qui permettait de voir une autre vision de De Gaulle. Mais j'étais tellement pris dans ce conditionnement que je n'osais pas franchir le pas et j'avais des blocages internes, si vous voulez, quoi. Et jusqu'en 2012, j'ai été gaulliste, mais au bout d'un moment, à force de lecture, de compréhension des événements, voilà, on tire les justes conclusions. Revenons à ce groupe des 5 qui prépare le débarquement. Weygand refuse. Il leur faut un autre général, ça tombe bien, le général Giraud s'évade. À ce moment-là, il y a des échanges entre Murphy et Giraud, et vont être faits ce qu'on appelle les accords Giraud-Murphy, justement. Et dans ces accords, il est prévu, un, qu'on restaurera la France dans son intégrité territoriale, que Giraud sera à la tête de l'armée interalliée, et que donc la France sera considérée comme un allié des États-Unis, et que c'est la France qui officiellement demande aux États-Unis de les aider à lutter contre les Allemands. Sauf que, à l'époque, Murphy fait croire à Giraud que le débarquement ne sera pas qu'un débarquement en Afrique du Nord, mais que ça sera aussi un débarquement en Provence. Et que ce débarquement aura lieu en gros au printemps 1943. Et Giraud est persuadé que donc à ce moment-là, il pourra lui aller à la tête de l'armée d'armistice. Sur la base du plan de mobilisation du général Picandard dont je vous ai parlé, on aura une armée de 500 000 Français et on pourra reprendre les combats contre les Allemands dès le printemps 1943. Seulement en réalité, comme nous le verrons, il s'agit d'un débarquement qui aura lieu uniquement en Afrique du Nord. Et donc il n'y aura pas de combat en France à ce moment-là, et ce ne sera pas au printemps 1943, mais le 8 novembre 1942. Alors, que se passe-t-il ce 8 novembre 1942? Eh bien, donc les Américains débarquent, et à ce moment-là, conformément aux accords Halifax-Chevalier, on riposte, pour donner aux Allemands l'illusion qu'il y a une tension, j'ai plus le terme exact. Une tension artificielle. Tension artificielle, voilà, bravo. Tu es plus attentif que moi. voilà, et il y avait une phrase d'ailleurs de Darlan très connue, c'est qu'en gros, il dit en substance, si vous venez avec 5 divisions, je vous tire dessus, si vous venez avec 500 divisions, je vous ouvre le bras, quoi, en gros, voilà. Donc, l'armée française tire sur les Américains. Par miracle, l'amiral Darlan est sur place le 8 novembre. Il est sur place, alors qu'il n'aurait pas dû y être. Le groupe des 5 est embarrassé. Giraud, lui, n'est pas encore sur place le 8. Hein. Il est à Gibraltar à ce moment-là. Et Giraud est foudrage, parce que on lui avait dit le débarquement aura lieu en Provence en novembre, au printemps 43. On lui dit en fait c'est en Afrique et c'est dans 2 semaines, quoi. Ou c'est maintenant, quoi. En gros, on prévient vraiment au tout dernier moment. Et donc, le débarquement a lieu, et à ce moment-là, c'est Giraud qui officiellement est censé signer le cessez-le-feu des armées françaises. Il dit, écoutez, suivez-moi, général Giraud, arrêtons de tirer sur les Américains et retournons-nous contre les Allemands. Et donc Giraud est censé être, aller à la tête de l'Afrique du Nord, en somme, pour reprendre la guerre. Le problème, c'est que quand Giraud arrive le 9 novembre, l'armée d'Afrique du Nord n'a strictement rien à foutre de lui. Pour l'armée est très maréchaliste, et pour elle, Giraud n'existe pas, quoi. Alors que se passe-t-il? L'amiral Darlan, officiellement le champion de la collaboration, le 9 novembre, Darlan va signer un cessez-le-feu pour la région d'Alger. Puis, le soir... Ah oui, je précise que Pétain envoie à Darlan un télégramme qui est celui-là officiel. Il lui envoie un télégramme. Est-ce que c'est là?
pardonnez-moi, je suis un peu long. Mais ça, c'est important. Donc, voilà. Donc, Pétain, quand le débarquement a lieu et que Darmin est sur place, Pétain lui envoie un télégramme. Je suis heureux que vous soyez sur place. Vous pouvez agir et me renseigner. Vous savez que vous avez toute ma confiance. Pourquoi Darlan est-il censé savoir qu'il a toute la confiance de Pétain? Parce qu'il y a cet accord du 4 août 1940, cet ordre du 4 août 1940, de reprendre la guerre au cas où l'armée allemande envahirait la zone libre. À ce moment-là, Vichy est officiellement neutre, rappelons-nous. Mais donc, Darlan, le 9 novembre, un jour après le débarquement, fait un cessez-le-feu pour la région algéroise. Ensuite, le 9 novembre au soir, le maréchal Juin, qui a succédé à Weygand à la tête de l'armée d'Afrique, parce que les Allemands ne voulaient pas que Weygand reste en Afrique, parce qu'ils sentaient que ce mec-là allait leur faire de sale coup. Ce qu'il a fait, d'ailleurs, petite parenthèse. Le général Juin, qui deviendra maréchal par la suite, comprend la situation. Et il dit à Giraud, bon, écoutez, je vous donne le commandement de l'armée d'Afrique, en revanche, vous ralliez à Darlan. Donc, ils font ça dans le dos du groupe des cinq qui avait organisé le débarquement. Giraud accepte, parce que lui, Giraud, contrairement à De Gaulle, est un vrai militaire, il veut faire la guerre. Le pouvoir, il s'en fout, la politique, il s'en fout. Donc Giraud accepte le commandement du maréchal Juin. Et il refuse de signer le cessez-le-feu quand les Américains le lui demandent. De toute façon, il n'aura pas été écouté, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Le lendemain, le 10, Darlan va finir par signer une armistice pour toute l'Afrique du Nord. À ce moment-là, il faut savoir que Laval est à Munich, parce qu'il a été convoqué par Hitler en urgence. Et à ce moment-là, Vichy est obligé de désavouer officiellement Darlan, qui a fait une armistice avec les Anglo-Saxons, et de nommer à la place de Darlan à la tête de l'Afrique le général Noguès, qui est le gouverneur du Maroc. Donc là, Darlan est effondré, parce qu'il n'a plus la confiance du maréchal. Et heureusement, l'amiral Offan, on a la photo de l'amiral Offan, je ne sais pas si on peut la mettre éventuellement. L'amiral Offan, j'arrête pas de citer ses bouquins, il écrit quasiment que des bons bouquins, l'amiral Offan. L'amiral Offan a une idée, on va envoyer un télégramme secret, le seul télégramme sur lequel les Allemands ne peuvent pas intercepter, enfin le seul télégramme que les Allemands ne peuvent pas intercepter, pardon, on va envoyer un télégramme secret à Darlan. Et ce télégramme secret lui dit, envoyé à 14h50, comprenez que ce désaveu était nécessaire pour les négociations en cours. Négociations de Laval à Munich avec Hitler. Petite parenthèse, d'ailleurs, Laval est allé voir Hitler avec un morceau de cyanure de potassium dans la poche, pour ne pas que Hitler lui impose des choses qui seraient trop contraires aux intérêts vitaux de la France. Il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques français qui seraient capables d'un tel sacrifice aujourd'hui, hein, soit dit en passant. Même si Laval, on peut le critiquer sur plein de points, mais sur d'autres, quand il a fait des choses positives, il faut le dire aussi. Donc il faut toujours voir la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. C'est comme M. Asselineau, vous voyez, voir la moitié... j'ai raconté, attention. Hein. Bref. Donc, Vichy désavoue Darlan officiellement, mais officieusement, on lui envoie un télégramme secret dans lequel on lui dit « Comprenez que ce désaveu était nécessaire. » Ensuite, que se passe-t-il? Le 11 novembre, le lendemain donc, la Wehrmacht envahit la zone libre. Et là, Darlan se rappelle son ordre du 4 août. Il prend la tête de l'Afrique du Nord et il dit « Maintenant, on relance notre armée contre les forces de l'Axe. » C'est l'amiral Darlan qui relance l'armée d'Afrique contre les forces de l'Axe, qui relance l'Empire français contre les forces de l'Axe et contre l'Afrika Korps de Rommel. Mais rappelez-vous, le problème à ce moment-là, c'est que on a nommé officiellement Noguès chef de l'Afrique du Nord. Et il y a une partie de l'armée qui n'est pas au courant des télégrammes secrets qui sont échangés. Donc ils pensent vraiment que Noguès est le chef et donc qu'il ne se rallie pas tout de suite à Darlan. Mais Noguès a compris la situation et il va rendre officiellement ses pouvoirs à Darlan le 13. Et le 13, Pétain va envoyer, alors que Darlan a donné les ordres de combat contre les nazis. Pétain va lui envoyer ce télégramme secret. Enfin, Pétain, c'est Offan qui envoie ce télégramme. Accord intime du maréchal et du président Laval, mes décisions soumises,
aux autorités occupantes. C'est-à-dire, accord intime, vous pouvez y aller, on vous approuve, allez-y, combattez les Allemands. Mais est-ce que ça ne change pas toute la vision qu'on a quand même du régime de Pétain et de ces hommes-là, quand on sait que Pétain a approuvé la reprise des combats contre les nazis, quand on sait que cette armée a été faite sur demande de Pétain par le général Weygand, est-ce qu'on n'a pas quand même une image un peu différente? Et on voit que là, De Gaulle n'existe pas. Hein. Là, De Gaulle, il est nulle part. Hein. Et donc, le 13 novembre, à 20h10, Darlan va faire à la presse ses déclarations suivantes. En plein accord avec le général Noguès, et sur sa demande, j'assume la responsabilité des intérêts français en Afrique. J'ai l'assentiment des autorités américaines avec lesquelles je compte assurer la défense de l'Afrique du Nord. Vive le maréchal, vive la France. À ce moment-là, le chef de la France combattante qui combat contre les nazis, c'est l'amiral Darlan. Et il le fait, je cite, au nom du maréchal empêché. De Gaulle n'existe pas. Et si Darlan ne s'était pas fait assassiner, comme dirait l'amiral Offan, les deux morceaux de France se seraient réunis à la fin de la guerre. Et le chef de la France combattante, c'était Darlan, le vrai rival de De Gaulle, comme le dit ce cher Pierre Ordieu. Alors pourquoi, c'est peut-être là juste une petite question, parce que Darlan, justement, ça nous est présenté comme le summum de la collaboration, parce qu'il aurait collaboré avec les Allemands, et puis on nous dit justement, pour résumer, il a vu arriver les Américains, bah bienvenue, c'est nous, en fait, on est avec vous. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, quoi. Bah bien sûr, c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, il négociait avec les Américains depuis plus d'un an, donc son ralliement n'est pas du tout opportun, il n'est pas tombé du ciel. Et si son fils n'était pas tombé malade, peut-être que les Américains se seraient entendus. D'ailleurs, il faut savoir que Eisenhower, quand il a appris qu'il y avait une filière de négociation avec Darlan, a voulu se ruer dessus. Le problème, c'est que le délégué de Giraud en Afrique du Nord, le général Mast, a mis son veto. Et à la réunion de Churchill, qui a eu, je crois, le 14 octobre 1942, on a définitivement enterré la filière Darlan. Mais Darlan négocie avec les Américains depuis 1941, donc son ralliement n'est pas si opportuniste que ça. Et de toute façon, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que Darlan a pris une position qui, quoi qu'on en dise, était conforme aux intérêts de la France. Il fallait à ce moment-là relancer l'armée contre l'Axe, et Darlan a relancé l'armée contre l'Axe. Cette armée, je le répète, reconstituée par Weygand à la demande de Pétain, et Pétain, par télégramme secret envoyé par l'amiral Offan, a validé le choix de reprise de combat militaire contre l'Axe. Je répète, Pétain a validé la reprise de combat contre les forces de l'Axe. Une troisième fois, Pétain, il faut répéter, parce que c'est tellement loin de ce qu'on nous dit. Oui, là on est loin d'adopter ça quand même. Que, non mais, c'est extraordinaire, le degré de mensonge, mais il est himalayesque. Il est himalayesque. Moi je vous avoue que j'ai appris ça, je crois en 2009, je lis un livre sur la mort de l'amiral Darlan, qui s'appelle justement le enfin, j'ai plus le titre, mais c'est Peter Tompkins, un espion américain, qui l'avait écrit. Et je lis les télégrammes que Pétain envoie à Darlan pour lui dire « Vas-y, Coco, tu peux y aller. » Je dis « C'est pas possible. » Pétain, le collabo, a dit à Darlan de reprendre les combats contre les nazis. C'est pas possible. J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à lire, là, il y a un problème. Et puis en me renseignant, de fil en aiguille, non, c'est bien comme ça que ça s'est passé. C'est bien comme ça que ça s'est passé. Et donc, petite citation de Darlan du 18 décembre 1942. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir en accord avec les alliés américains et britanniques pour promouvoir cet ordre chrétien qui s'oppose aux utopies matérialistes et païennes des pseudo-philosophies hitlériennes et fascistes. » Message radio diffusé de Darlan du 20 novembre 1942. « Le maréchal Pétain est et reste l'image vivante de la France. » Mais après l'occupation de la zone non occupée par les Allemands, il a perdu sa liberté d'action. Après l'armistice, la politique poursuivie par le maréchal a été la seule possible, parce qu'elle permettait à la France de continuer à vivre, et parce qu'elle lui évitait de voir l'Afrique occupée par l'Axe. Si cette politique n'avait pas été si habilement menée, les Allemands auraient occupé l'Afrique depuis longtemps déjà. Et si cette occupation avait eu lieu, les événements plus récents permettent de supposer fortement que les Alliés aurait éprouvé d'autant plus de difficultés à aider la France à retrouver sa liberté. Je sais pertinemment que j'interprète honnêtement les idées du maréchal. Je continue à suivre ses instructions d'autrefois lorsque j'accepte le secours des Américains et de leurs alliés pour la liberté et le rétablissement complet de la souveraineté de la France.
Je sais d'ailleurs que le maréchal partage mes sentiments d'amitié envers les peuples des États-Unis, et en aucun cas on ne me fera croire que le vainqueur de Verdun est de connivence avec les usurpateurs qui ont ravi à la France l'Alsace, la Lorraine, la Savoie, Nice, la Corse et l'Afrique du Nord en Tunisie. C'est sous la pression allemande que le maréchal a transmis une partie de ses pouvoirs à Laval. Or, nous avons prêté serment solennel au maréchal, pas à Laval, et ce serment, nous le respecterons, au moins dans son esprit. »